Bonjour, c'est Jean-Michel Jarre et je suis heureux de partager avec vous ce qui pour moi est l'événement de l'année 2020, qui est la sortie du nouveau ARP 2600 qui est sorti et créé par Korg et qui est pour moi évidemment un événement particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme vous le savez sans doute, l'ARP 2600 est un de mes synthés de prédilection. C'est d'ailleurs mon synthé semi-modulaire préféré de très loin et qui est effectivement au fil du temps est devenu une pièce de collection et est très difficile à acquérir. On trouve sur eBay à des sommes colossales. Et la grande nouvelle, c'est que Korg sort en fait non pas un clone, mais un véritable ARP 2600 qui est fabriqué d'après les plans d'origine et donc qui est tout à fait similaire à l'ARP 2600 que j'ai eu moi à l'époque au début des années 70. Donc c'est effectivement un événement majeur dans la mesure où cet instrument est un instrument haut de gamme et qui va pouvoir enfin mettre ce son légendaire et pour moi qui a été fondateur des albums Oxygène, Equinox et jusqu'à aujourd'hui qui a ce son très particulier, extrêmement sharp, extrêmement ciselé sur le plan de tout ce qui est séquence et puis qui offre à la fois la facilité d'un synthé où on n'a pas de câblage à faire puisque c'est un semi-modulaire, tout est pré-câblé et en même temps si on veut faire de la recherche on sort ses câbles et on se met dans une situation de synthé modulaire. Donc je suis extrêmement heureux de partager cette nouvelle avec vous et nous avons tous hâte de le découvrir et de mettre les mains dedans. Voilà, je vous souhaite une bonne année.